Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup aujourd'hui, on va débriefer ensemble 365 jours l'année d'après. Donc l'adaptation du livre de Blanka Lipinska, donc que j'ai ici. Donc voilà, c'est le tome 3 en version VO et en version VF. Donc c'est parti, on débrief tout ça, on y va. Avant que je rentre dans le vif du sujet, on fait un petit retour en arrière. Donc moi, j'ai découvert 365 jours en version originale d'abord et ensuite en VF après. Pour ce qui est des traductions, sachez que tout a été vachement bien respecté. J'avais beaucoup de doutes sur le fait parce que c'est vrai que sur certains passages dans la VO sont quand même assez, on va dire, vulgaire et assez cru et tout ça, je me suis dit mais mon dieu, ils ne vont jamais traduire ça en français. Mais si, sachez que les traductions sont bien conformes à la version originale. Donc c'est parti pour le premier tome. Du coup, je sais que Blanka, elle avait fait le choix délibéré de pas faire du copier-coller. Elle a dit maintes et maintes reprises et je accepte entièrement son choix. Moi, pour ce qu'il y a de ce premier volet de cette saga et du film, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a eu beaucoup de critiques, même s'il y a des gens qui ont eu du mal à accepter certaines choses, ce que je peux comprendre et que je ne cautionne pas par rapport à certaines choses qui se passent dans le film, moi, personnellement, j'ai bien aimé. Il y a de la romance. C'est vrai, il y a beaucoup de scènes où le sexe est présent. Mais personnellement, moi, j'adhère entièrement et j'ai beaucoup aimé ce premier volet. Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. C'est leur droit, comme il y a des gens qui aiment, et c'est leur droit également. Deuxième volet qui est sorti en début d'année. Donc en ce qui me concerne, ce deuxième volet, c'était un flop. Un flop, mais alors total. Pas de scénario, je n'ai pas retrouvé le Massimo, je n'ai pas retrouvé le Laura. J'avais l'impression de regarder un film de... Je dirais pas X, mais j'aime bien quand il y a des scènes de sexe dans les films, mais quand il y en a trop et qu'il y a que ça et qu'il y a aucun scénario, personnellement, ça m'a dérangé puisque du coup, on n'arrive pas trop à se projeter et c'était que ça. Donc, il y avait des très jolies musiques, mais il y avait très peu de dialogue et personnellement, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi elle a saccagé ça? Pourquoi elle n'a pas suivi certains passages du livre? Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Je comprends pas, surtout que ben, Blanka, c'est quand même la personne qui a écrit les livres et c'est la personne qui a fait la mise en scène. Je me suis dit, mais en fait, c'est deux choses complètement différentes et on n'y retrouve plus rien du livre. Donc, pour moi, c'était une catastrophe. C'est parti, on débrief le 3. Alors, pour ce troisième volet, j'avais très hâte de le lire et j'avais aussi très peur. Pourquoi ? J'avais peur parce que du coup, ça se passe dans la foulée du temps du film de 2, en fait. Les deux, le 2 et le 3 ont été filmés l'un après l'autre. C'est ce que Blanka, elle avait dit. Et du coup, j'avais très très peur qu'on reste sur le même désastre que le 1, en fait. Que le 2, pardon. Le 1, j'ai beaucoup aimé. Que le 2. Mais du coup, je me suis lancée, en fait, hier soir. Donc, vous voyez, je vous filme la vidéo le lendemain du visionnage. Comme ça, je suis sûre de rien louper. Et je suis assez mitigée. Sachez juste, pour les gens qui n'ont pas encore regardé le film, je risque de vous spoiler, donc ne regardez peut-être pas la vidéo. Si ça vous dérange pas, c'est avec grand plaisir, vous pouvez continuer à regarder. Mais avant de vous donner plus de détails, j'ai juste envie de dire, mais c'est quoi cette fin de merde? C'est comme si je prenais le livre, je l'ouvrais et que je m'arrêtais en fait à la moitié du livre. Où est l'autre partie? Mais où est l'autre partie? Il n'y a plus rien qui va, plus rien qui va. Alors sachez que ce troisième volet, avant que je vous donne plus de détails, je l'ai beaucoup plus apprécié que le deuxième. Il y a quand même une histoire, les scènes de sexe sont toujours aussi présentes, il y en a un espace de 20 minutes, enfin voilà, il y en a eu beaucoup, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y avait un peu plus de dialogue et tout ça, mais c'est quoi ça? Excusez-moi, mais à un moment donné, quand on fait une adaptation, dans ce cas-là, fais un film qui s'appelle 365 jours, mais ne dis pas que c'est une adaptation d'un roman. Toutes les parties, en fait, qui me manquent, donc déjà la fameuse partie où, en fait, Laura part avec Massimo chez lui là-bas, parce que du coup, c'est là où ils apprennent à se connaître,
et qu'elle revient pour le mariage d'Olga, inexistante. Disparue au bataillon, il n'y a plus du tout cette scène. La fameuse scène où en fait elle revient et que ben, Massimo la tient prisonnière, inexistante, disparue, on ne sait pas. La fameuse scène où Nacho et Massimo, en fait, Laura la rencontre Massimo dans un endroit bondé pour discuter des termes et tout ça, et que Nacho est avec le sniper qui les surveille, on ne sait pas où elle est passée cette scène, inconnue au bataillon. Le fait que ben, du coup la sœur de Nacho a accouché et qu'il y avait toute une histoire tout autour de ça, disparue, inconnue au bataillon. Enfin, j'ai halluciné hier, j'ai halluciné. La partie où elle va chez le gynéco et qu'elle apprend en fait que ben, elle est enceinte et elle pense que c'est l'enceinte de Massimo parce que du coup ben, il a violé, il a abusé d'elle alors que c'est le bébé de Nacho. Inconnu au bataillon, ça a disparu, on ne sait pas trop où ça en est. Enfin, toutes ces parties-là, mais elles y sont pas en fait. On a une fin qui arrive et en fait, on ne sait même pas qui c'est qu'elle a choisi au final. Donc, quand j'ai fini de regarder le film, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai tapé sur Google, y aura-t-il une partie 4 du film? Et là, on me dit que en fait, non, que le Blanca avait décidé ben, de clôturer son troisième volet comme ça. Et que pour le moment, Netflix n'a pas signé pour un 4. Mais Netflix, comment vous avez pu en fait accepter de produire ça alors que ben, ça correspond plus du tout au livre? Dans le tome 3, on voit aussi Laura qui fantasme sur Massimo et fait des rêves parce que ben, ils se sont rapprochés. Attention spoil, à quel moment la meuf, elle a rêvé que les deux mecs s'embrassent? Je me suis dit, mais non, mais pourquoi tu fais ça? Quel kiff en fait tu as à faire ça? Je sais pas encore au jour d'aujourd'hui ce que je ressens sur le film. Alors, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. J'étais même assez sceptique quand j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, ouf, on retrouve un petit peu des choses que j'ai vues dans le livre. Mais quand je suis arrivée à cette fin, je me suis dit, mon Dieu, mais non. Mais non, mais pourquoi? Pourquoi? Je sais qu'on ne peut pas faire du copier-coller, je sais qu'on a toujours plus de détails dans les livres et tout ça. Et moi, personnellement, la plupart du temps, mais j'aime plus les livres que les films. Mais là, c'est. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Pour moi, c'est pas possible. Il manque la moitié du livre. C'est pareil. J'aime beaucoup parce que dans le livre, on a la partie où en fait Laura, elle retrouve son papa. Et donc du coup, ils font une balade à moto, ils arrivent dans un bar, ils boivent un coup, et je sais que sur cette scène, par exemple, Nacho arrive avec une moto, et c'est lui qui la raccompagne, parce qu'il la suit un petit peu partout. Mais là, il n'y a que Nini, il n'y a plus de Nacho. Nacho, il a dû apparaître 4 fois dans le film à tout péter. Ok, ils se sont vus une fois, ils ont couché ensemble, le mec lui déclare toute sa flamme, tout son amour, et il lui dit de faire le choix. Mais la partie, moi je veux le Nacho du livre, celui-là qui a... Même si l'acteur, je vous assure, il est super craquant et on voit ses fesses à un moment dans le film, c'est merveilleux. Mais bon, bref, c'est des détails et tout le reste est où? Je sais pas, je sais pas, je suis assez sceptique et malheureusement, je ne peux pas comparer même par rapport à ça, puisqu'en fait, le film et le livre, ça ne correspond plus du tout à ça. C'est pareil, normalement elle est censée mourir à la fin du 3. Alors il y en a plein qui disent qu'elle devait mourir, mais non, Laura, elle meurt jamais en fait. C'était pas prévu et même dans le livre, elle ne meurt pas. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé par exemple dans le livre que ben, elle meurt pas et que c'est Nacho en fait qui lui trouve un nouveau cœur parce qu'elle a besoin de ce cœur pour vivre. Je trouve que ça a un côté romantique, que ça prouve son amour pour elle. Mais là, Nacho lui dit, j'ai sauvé Massimo parce que tu l'aimes. Mais c'est quoi ça? Mais elle a sorti ça d'où en fait? C'est marqué nulle part et ça ne correspond plus du tout au livre. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis un peu choquée, un peu déçue, enfin même beaucoup déçue et frustrée, je dirais. Et je pense que ben, je vais m'arrêter au livre parce que ben, les livres, moi j'ai beaucoup aimé. Et les films, même si j'adore les acteurs, je les trouve super mignons et enfin voilà. Et j'aime beaucoup les acteurs, mais malheureusement,
Ça ne correspond plus à ton livre Blanca. Je suis désolée, mais ça n'a strictement rien à voir. Je pense que changer des choses, c'est bien, mais à vouloir tout changer et en trop faire, c'est pas bon non plus. C'est tellement dommage. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu. Qu'est-ce que vous vous en pensez? Moi, je suis curieuse de le savoir. Est-ce que vous avez été déçue? J'ai lu des critiques des spectateurs après, bien sûr, parce que je voulais pas me spolier et je voulais pas me faire une idée par rapport à ce que je lisais. Mais il y en a la plupart des avis que j'ai lus sont un peu, enfin, se déroulent dans le sens de ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus. Et j'ai même lu un article ce matin qui disait que les fans de 365 jours crient au scandale parce qu'il n'y a pas de suite et que c'est une fin sans fin en fait. C'est voilà, ils sont Massimo et elle sont sur la plage. Nacho vient de la déposer chez elle et puis ben lui il lui dit qu'il va l'attendre toute sa vie et Massimo en fait, mais je retrouve pas ce petit côté piquant odieux en fait qu'il y avait dans ce tome 3 parce que du coup le comportement qu'il avait en fait. Voilà, je suis sceptique et sincèrement, même s'il y a un 4, je sais même pas si je vais le regarder parce que j'ai tellement peur d'être déçue. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très curieuse de savoir si vous l'avez regardé ou pas, si vous en avez envie ou pas du tout, et ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me le dire. Moi je vous fais des bisous, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous a plu, ça m'encourage. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!